the second very interesting workshop that is organized by Mezzo. In this first day, the presentation of the work of the ESS working group was for me the most interesting part. It gave me the opportunity to appreciate the work that was done so far, because I have not been able to follow it so closely. I make part of the other committees. This was a very comprehensive presentation of the work, and it made me anticipate the final deliverables that are underway now. Allora, il workshop ha avuto una, diciamo, una buona partecipazione da parte dei colleghi comunque dell'area mediterranea. Credo che sia stato molto interessante. Ho visto molta partecipazione da parte comunque delle persone con molte domande. Credo che sia comunque una buona diciamo opportunità per come scambio di informazioni, di diciamo diversi modi di gestire la rete, e quindi comunque sia una cosa ottima per questa posso dire, questa interazione tra i paesi dell'area mediterranea. J'ai eu l'occasion pendant ces deux jours d'assister à un atelier assez riche. Ce que m'a plu le plus, c'est la diversité en termes d'organisations qui ont atteint ce workshop. Donc j'étais agréablement surpris par retrouver ENSOE, l'OME, RTE. Donc c'était aussi en tant que membre de la commission régulation et institution au sein de BTSO d'apprendre les résultats de mes collègues dans la commission 3, la commission échange électrique international et la commission ESS. Et je suis très satisfait, j'ai appris beaucoup de choses. Donc je souhaite une bonne continuation à mes collègues. Enfin, je pense qu'il est toujours important effectivement de discuter globalement des différents problèmes et que les points de vue puissent être rapprochés. On l'a vu encore aujourd'hui, l'analyse qui a pu être présentée au sein de MedTSO sur les complémentarités entre la rive nord, la rive sud, entre l'est et l'ouest du bassin méditerranéen est très pertinente. Il y a d'énormes économies d'échelle à réaliser et elles seront effectivement cruciales pour réussir la transition énergétique que l'ensemble des pays souhaitent réaliser. Donc oui, il faut effectivement avoir ces premiers workshops pour partager des analyses qui ne sont peut-être pas encore très avancées, mais qui sont essentielles pour pouvoir commencer à aborder ensemble un avenir commun. Et je dirais que c'est dans ce cadre de workshop que se fait peut-être, oui, au moins la moitié, sinon 80% effectivement du travail. Le reste, une fois qu'on est d'accord sur l'objectif commun que l'on veut réussir, est relativement simple à mettre en œuvre. L'important, c'est avant tout de se comprendre et de se mettre d'accord sur ce que l'on veut faire ensemble. I think the workshop is really important for the Mezzo. It's important for the associated of the Mezzo, the members, because this is an opportunity to give two big messages. One, it's the work that the Mezzo will do until now. And another, it's about the sharing the experience of different TSO. So it's really important to show this, and I think it's really relevant. And the workshop organized in Algeria is really important because you need to organize workshops in the south part of the Mediterranean countries, because it's one of the mission of Mezzo, it's to sharing the experience, to sharing the knowledge. So in the south part, it's really important.